Thank you. We welcome you in our service this morning in the name of Jesus. Merci beaucoup, nous vous accueillons dans notre service ce matin. Let us pray. Prions. Father, I'd like you to connect everyone. Partout où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez connecter tout le monde. I'd like you to let everybody know that our service starts. Dieu, celui qui est là d'être connecté. Pourquoi? Parce qu'on a commencé notre service. Let us close our eyes and pray in the name of Jesus Christ. Fermons nos yeux, nous allons prier au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus Christ, Père, au nom puissant de Jésus, we thank you for your presence. Nous te remercions pour ta présence. We thank you for your love. Nous te remercions pour ton amour. We thank you for your grace. Nous te remercions pour ta grâce. Father, thank you. Père, merci. The law of Moses La loi de Moïse cannot make a man perfect. Ne pouvait pas faire un homme d'être parfait. Cannot give man eternal life. Ça donnait pas à l'homme la vie éternelle. But the grace through Jesus, mais la grâce au travers Jésus, give us eternal life. Nous a donné la vie éternelle. We salute you, Father. Nous te saluons, Père, for the eternal life, pour la vie éternelle, working in our life, qui marche en nous. Father, thank you. Père, merci. To give us Jesus. D'avoir donné Jésus. To die in the cross for our sin. De mourir sur la croix pour nos péchés. To raise after 3 days for our justification. Après 3 jours pour notre justification. Thank you. Merci. For giving us the living words. Pour nous avoir donné la parole vivante. Thank you. Merci. To give us your kingdom. Le royaume. Father, we love you. Père, nous t'aimons. We appreciate you. Nous t'apprécions. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Our hearts and minds are open. Nos pensées, nos cœurs sont ouverts. To receive your words. De recevoir ta parole. To celebrate your words. De célébrer ta parole. The Bible says, la Bible dit, the entrance of thy word give light. La lumière de ta parole nous donne éclaire notre vie. Thank you, Father. Père, merci. For your word of this morning. Pour la parole de ce matin, it's going to eliminate ça va éliminer anything that does not come from you. Tout ce qui ne vient pas de toi. In the name of Jesus Christ. Kruski la brakibo shalamandele bosaka. Alleluia. Kazi malakuzi akarabo sekile akabruski la mantali gaskanta. Thank you for your presence. Thank you for your love. Merci pour ta présence. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Thank you. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus Christ. Thank you, all the mothers. I wish you a happy day. Tous les mamans, toutes les femmes, je vous salue au nom de Jésus et puis je vous souhaite happy Mother's Day. Thank you so much. Merci beaucoup. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons tous. Alléluia. Les mamans, they are those who could see the sepulchre of Jesus Christ the face. Les mamans, c'est elles qui ont fait, qui ont vu la première fois la tombe de Jésus. From verse 1 to 3. Si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 8, you see that the mother was the first partners of Jesus ministry. Les mamans ou les femmes étaient la première partenaire de Jésus dans son ministère. They walked with Jesus until in the cross. Ils ont marché avec Jésus jusqu'à la croix. The mother was there. Les mamans étaient là. Not only in the cross, but until in the resurrection, the mother was there. Pas seulement sur la croix, mais même dans la résurrection, les mamans, les femmes étaient là. Not only in the resurrections. Pas seulement dans la résurrection. Until in the upper room, the mothers was there. Même dans la chambre haute, les femmes aussi étaient the là. The day where the Holy Ghost came from on high, ascended in that upper room. Le jour où le Saint-Esprit était descendu dans cette chambre haute. The day where the first people were born again, the mothers was there. Premier jour que les gens étaient nés de nouveau, les femmes étaient aussi là. The day where the first people were filled by the power of the Holy Ghost, the mothers was there. Les mamans étaient là quand les gens étaient remplis du Saint-Esprit. When they begin to speak another tongue, the mothers was there. Quand ils ont commencé à parler de nouvelles langues, les mamans étaient là. When Jesus was levitated, went back home, the mothers was there. Avant que Jésus soit levé, les mamans étaient là. Oh, we thank all the mothers. Nous remercions toutes les mamans. For your wonderful ministry. Pour votre ministère. In the body of Christ. Dans le corps du Christ. We salute you. Nous vous saluons. We respect you. Nous vous respectons. Remember, without a mother, it cannot be a ministry.
savait que sans la mère ou une femme, on ne peut pas en parler de If the mother is not there, it can't be a ministry. Si les mamans, les femmes ne sont pas là, on ne peut pas parler de la ministère. Because the mother, they are carrier of the ministry. Pourquoi? Parce que les mamans, ce sont les porteurs du ministère. We see how Mary could accept Jesus to be born from her. On a vu comment est-ce que Marie avait accepté de faire affronter Jésus-Christ au travers d'elle. He accepted Jesus' ministry to come to her. Elle avait accepté le ministère de Jésus de venir vers elle. Thank you so much. Merci beaucoup. We love you. Vous aimons. In the name of our Lord Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Thank you. Can you put your hands for all the mothers all over the world? Est-ce qu'on peut applaudir toutes les mamans? We salute you. We love you. We respect you a lot. Nous respectons beaucoup. Thank you so much. Merci tonight, this morning, I want to talk about breaking the limitation of life. Ce matin, je veux parler sur briser les limitations de la vie. Amen. Amen. Breaking the limitation of life. Briser les limitations de la vie. The Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. And the book of Colossians chapter 1 verse 13. Dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 13. The Bible says. La Bible dit. Paul says, let us thank God. Paul a dit, remercions Dieu. Who translates us from another kingdom to the kingdom of light. Qui nous a transporté dans le royaume des ténèbres jusqu'à la lumière. Are we together? Yes, sir. Paul says, Paul a dit, from verse 12, book of Colossians chapter 1, from verse 12, Colossians chapter 1, verse 12, Paul says like this, Paul a dit, giving thanks unto the Father, which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. In verse 13, Paul says, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear son. Are we together? Yes, Pastor. This is the day we were born again. Ça, c'était le jour que nous étions nés. We are translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Nous étions transportés dans le royaume des ténèbres à la... We were delivered from the kingdom of darkness to the kingdom of light. À partir du royaume des ténèbres jusqu'à la lumière. This is to be born again. Ça c'est être né de nouveau. But after being born again, après avoir été né de nouveau, there is a challenges of life waiting us in our way of destiny. Il y a les challenges de la vie qui nous attend dans notre destinée. I say like this. Je dis comme ça. In the way of each and every destiny. Dans le chemin de chaque destinée. There is enemy to meet. Il y a des ennemis que nous allons rencontrer. There is adversary to meet. Il y a des adversaires que nous pouvons rencontrer. Once we are born again. Quand vous êtes né de nouveau, we are born from the glory of God. Nous sommes nés de la gloire de Dieu. Our inner man has changed. Notre homme intérieur a changé. We are now living in the high place with God. Nous vivons maintenant dans le lieu céleste avec Dieu. Remember what Paul says. Souvenez-vous ce que Paul a dit. We are now living in the right hands of the Father together with Jesus. Nous sommes à la droite, nous vivons à la droite du Père avec Jésus. But Jesus said, mais Jésus a dit, you shall be persecuted. Vous serez persécuté. Where? Not in heaven, but here on earth. Pas seulement, non dans les cieux, mais ici sur la terre. Jesus says, Jésus a dit, the way they did unto me, comme on m'a persécuté, they shall also did unto you. Vous persécutera aussi. Where? Où? Here on earth, ici, not in heaven. Ici sur la terre, pas dans les cieux. Why? Pourquoi? This world, this world system is controlled by the devil. Le système de ce monde est contrôlé par le diable. Are we together? Yes, Pastor. The system of this world are full of limitations. Le système de ce monde est trop limité. Full of challenges. Il y a beaucoup de challenges. Full of situations. Il y a beaucoup de situations. Because the body is here. Pourquoi? Parce que le corps est là. We need now to know and to overcome this limitation standing before us. Nous voulons connaître, nous devons connaître et vaincre les situations, les challenges qui sont devant de nous. Remember Jesus said,
Souvenez-vous, Jésus a dit. In the book of John, chapter 16, verse 33. Jean chapitre 16, verset 33. He said, "Cheer up, I have overcome the world." Oh, soyez dans la joie, j'ai vaincu le monde. Are we together? Yes. He said, "Cheer up, I have overcome the world." Soyez dans la joie, j'ai vaincu le monde. He didn't come heaven. Il n'était pas. He didn't overcome heaven. Il n'était pas vaincu le ciel. Because heaven is where he comes from. Pourquoi? Parce que le ciel c'est là où il venait. When he said, "I overcome this world." Quand il a dit j'ai vaincu ce monde. He overcome this demonic system. Il avait vaincu le système démoniaque. He overcome where the demon was controlling. Il avait vaincu là où le démon contrôlait. He was overcome where the demon was ruling. Il avait contrôlé là où le diable est en train de rouler. He was overcome where sickness limitation was destroying people. Il avait vaincu là où la maladie détruisait la vie de Jean. Are we together? Yes, Pastor. Now, when we talk about breaking the limitation of life, quand nous parlons de briser les limitations de la vie, the limitation of life are real. Les limitations de la vie sont réelles. I repeat again, the limitation of life are real. Les limitations de la vie sont réelles. No one wishes limitation in his life. Personne ne souhaite les limitations dans leur vie. But you see, in the way of life, in the way of destiny, mais dans la vie de notre destinée, you can see limitation is there. Vous pouvez voir il y a les limitations. I'll give you an example. Je vous donne un exemple. God told Moses to go and release his people in Egypt. L'Éternel a dit à Moïse d'aller libérer son peuple en Égypte. That was the mind from above of God. Ça c'était la pensée que l'Éternel avait. Moses released them from Egypt. Moïse leur a libéré de l'Égypte. Pharaoh was like limitations. Pharaoh était comme limitation. When they come back in Red Sea, quand ils ont vu la mer rouge, the Red Sea was another limitation. La mer rouge était aussi une autre limitation. In each and every destiny, dans chaque destinée, in each and every divine project, dans chaque projet divin, there is limitations. Il y a des limitations. Are we together? Yes, sir. Now, what is limitation? Qu'est-ce que la limitation? What is limitation? Qu'est-ce que la limitation? Limitation are line. Is a line. Line. When I'm talking about it, like a line. Lean. Okay. Are we together? Yes. Limitation is a line. La limitation, c'est la ligne. Point. Or level where something is ends. C'est le niveau où quelque chose peut être limité. I repeat it again. Je le répète. Limitation is a line. La limitation, c'est le ligne. Point. Point. Or level where something is end. Virgule, le niveau que quelque chose peut se limiter. What is limitation? Qu'est-ce que la limitation? Limitation is stagnation. C'est la stagnation. No progress. Sans progrès, to another level, à notre niveau, of your expectation in where you are doing, de l'autre niveau de l'expectation de ce que vous voulez, is a stagnation, c'est le freinage, no progress to another level of expectation in what you are doing, manque de progrès de faire d'accomplir ce que vous voulez devenir. Another words, à d'autres termes. No progression in your expectation of your project. Pas de projet dans l'expectation de votre projet. Limitation is like a border. La limitation c'est comme les frontières. Where they put border that you cannot cross. Là où on a mis les limites que tu ne peux pas traverser. But in the mind of God, God didn't put that border in your destiny. Et dans la pensée de Dieu, l'Éternel n'a pas placé cette barrière où but suddenly in your destiny, mais subitement dans votre you destinée, see a line like a border. Vous allez voir la lune qui est là comme barrière, comme frontière. They say stop. On te dit d'arrêter. You cannot cross here. Tu ne peux pas passer ici. But in the mind of God, mais dans les pensées de Dieu, he didn't put border in your destiny. Il n'a pas mis la limitation ou les. But the devil placed that limitation. Mais le diable l'a placé là dans votre. Follow me carefully. Behind every limitation, there is a spirit. Derrière chaque limitation, il y a un esprit. Behind every stagnation in somebody's life, there is a spirit. Derrière chaque stagnation, il y a les
esprits. Behind every project, there is a spirit. Derrière chaque projet, il y a un esprit. Sometimes you are wishing to go far. Peut-être que tu es en train de souhaiter d'aller plus loin. You are qualified to have it, to do it. Tu es qualifié de le faire et de l'avoir. But you can see limitation is there. Et tu peux voir qu'il y a des limitations qui sont là. But now God said, go and tell them. L'Éternel m'a dit maintenant de breaking limitation of life. De briser les limitations it de la vie. Is possible. C'est possible. Breaking limitation of life is possible. Briser les limitations de la vie, c'est possible. You see somebody. Tu verras quelqu'un. He always wishing to be. Chaque fois, il souhaite de devenir. Is qualified to become, but there is a limitation. Il est qualifié de devenir, mais chaque fois, il y a des limitations. Let's go in the book of Isaiah 1:19. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 10. Let's see what the Bible says. Voyons ce que la Bible dit. Isaiah chapter 1 verse 19. Ésaïe chapitre 1 verset 19. I like this verse. J'aime ce verset. Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, you eat the good things of the land. If you are willing and obedient, you eat what? The fruit of the land. Amen. Amen. If you are willing and obedient, you shall eat the fruit of the land. Yes. Esaïe chapitre 1, verset 19, je lis la parole. Amen. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez le meilleur production du pays. Amen. Yes. Job chapter 8, verse 7. Book of Job. Job chapitre 8 verse 7. 8 verse 6. Yes. Job chapter 8 verse 7. I read. Amen. Your beginnings will seem humble. Mm-hmm. So prosperous will your future be. Thank you. Job. Before book of Psalm. Job is before the book of Psalm. For those who can. Though you can, if you carry your Bible with you, book of Job is before the book of Psalm. Don't look it after the book of Revelation. It's not there. Don't look it before the book of Genesis. It's not there. Before the book of Psalm, you find Job chapter 8 verse 7 there. Though the beginning was small. See what the Bible says. Though the beginning is small. If your beginning is too small. See the mind of God. Voyez la pensée de Dieu. Listen, breaking limitation in our life is not God's responsibility. Briser les limitations dans notre vie, c'est pas la responsabilité de Dieu. Breaking limitation is our responsibility now. Briser les limitations, c'est notre responsabilité. God said, though your beginning was small, the latter end should be great increase. The latter end should greatly increase. La Bible dit ta première condition semble peu de choses. Ce qui viendra par la suite sera bien plus grand. That is the mind of God. Ça c'est la pensée de Dieu. But this can happen. Mais ça peut se passer. If there is no barrier, no limit, limitation in your life. S'il n'y a pas les barrières ou les limitations dans votre vie. God wishes us to begin the small. L'Éternel veut de nous, il souhaite que nous puissions commencer avec le petit. And he said your latter end should greatly increase. Mais il a dit que votre ce qui viendra. I always tell people. Je dis souvent aux gens. What's matter? Ce qui est important. It's not the beginning. Ce n'est pas le début. What's matter is the end. Ce qui est important, c'est la fin. Because the end. La fin is a result. C'est le résultat. The beginning is not the result. Le commencement, ce n'est pas le résultat. The result is the end. Le résultat, c'est la fin. That's why Paul can say, I fight a good fight of faith. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. When Paul said, I fight a good fight of faith. Quand il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Paul did his pocket in the beginning of his ministry. Paul n'avait pas parlé cela au début de son ministère. When Paul said, I fight a good fight of faith. Quand il a dit, j'ai combattu un bon combat de la foi. It was in the end of Paul's ministry. C'était
vers la fin de son ministère. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. You shall make it. Tu vas le faire. That limitation shall be destroyed. Cette limitation sera détruite. Your letter A should greatly increase in the name of Jesus Christ. Le résultat de la fin sera grand, ça va produire les effets. Are we together? Yes, Pastor. Can you put your hands together for the Lord? Book of Matthew, remember we are in the month of violent prayer and dominion. Book of Matthew, chapter 13. Nous sommes au mois de la prière et domination. Matthieu, chapitre 13, verset 8. Matthew 13, from verse 24 to 30. Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 30. Matthew chapter 13, verse 24 to 30, I read. Amen. Jesus told them another parable. Mm. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in the field. The kingdom of God is like a man who did what? Sow a good seed. Follow this carefully, please. Follow this carefully. Another parable puts in forth unto them, saying what? Okay, on. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. You find, look at this. The kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his fields. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème sa bonne semence dans son champ. Not a bad seed, but a good seed in his fields. Verse 25. Verse 25. Mm. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. But when men sleep, his enemy came and sowed among the wheat and went his way. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer des livrées au milieu du bleu et s'en alla. This is happening during the night when everybody sleep. Ça s'est fait pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait. Let me take this sleep here. I'll took it like a spiritual sleeping. Je vais prendre dormir ici comme dormir spirituellement. When you are distrait, quand vous êtes distrait, something will happen. Quelque chose va se faire. When you are not violent in your prayer, si vous n'êtes pas violent dans vos prières, something happen. Quelque chose peut se passer. God says, l'Éternel a dit, he saw a good seed in the field. Il avait semé la bonne semence dans son champ. Not sickness. Pas la maladie. Not limitation. Pas la limitation. But during the sleep, mais pendant qu'il les gens dormaient, the enemy came and sowed another seed among the wheat. L'ennemi est venu semer d'autres semences au milieu du blé. He went his way. Et s'en alla. Are we together? Yes, Pastor. 26. Verse 26. When the wheat sprouted and formed heads, then the wheat also appeared. Mm. Verse 27. The owner's servants came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" Thank you. 27. So the servant of the house came. Le serviteur du maître vient de lui. And said unto him, "Sir, Seigneur, did not thou sow a good seed in the field?" N'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Another word, you didn't sow something good in my family. À d'autres termes, tu n'avais pas semé quelque chose de bon dans ma famille? In my project. Dans mes projets. Your seed was good. Ta semence était bonne dans ma vie, dans mes projets. In my destiny. Dans ma destinée. Your seed was good. Ta semence était bonne. What you sow in my destiny was good. Ce que tu avais semé dans ma destinée était bonne. What you sow in my family was good. Ce que tu as semé dans ma famille était bonne. Now the Bible says, la Bible dit, from whence the heart is tears. The last part in 27. From where this come? D'où vient donc la tire de livrer? Are we together? Yes. 28. Verse 28.
An enemy did this. An enemy did this. Oh my God. C'est l'ennemi qui l'a fait cela. And the enemy did this. C'est l'ennemi qui a fait cela. He said, Master. Il a dit, Maître. Did I not sow a good seed? N'avait pas semé la bonne semence. Where this come from? D'où vient-il de I know in your life, I saw a good seed in your life. Je sais que dans ta vie, I know in your life, I saw a long life. J'avais semé la longue vie. I know in your life, je connais ta vie. The project that I saw, it was a good seed in your life. Le projet que j'avais semé, c'était la bonne semence. Where this coming from? D'où vient cela? Donc c'est là. Where limitation coming from? D'où vient la limitation? Where that deadly disease coming from? D'où vient cette maladie? Where the problem always in your life coming from? D'où vient ce problème là dans ta vie? Why you always failing? Where these things coming from? Pourquoi est-ce que tu échoues à chaque moment, à chaque instant? Failure is not a good seed. L'échec ce n'est pas une bonne semence. Sickness is not a good seed. La maladie n'est pas une bonne semence. Where this coming from? D'où cela vient? Spirit of death is not a good seed. L'esprit de mort n'est pas une bonne semence. Instability is not a good seed. L'instabilité ce n'est pas une bonne semence. Poverty is not a good seed. La pauvreté n'est pas une bonne semence. Where is coming from? D'où cela vient? The Bible says. La Bible dit. And say unto him, verse 28, say unto them, an enemy had done this. L'ennemi qui a fait cela. It changed the seeds. Celui qui a changé la semence. Many people in their life, the devil changed the seeds. Beaucoup de gens dans leur vie, le diable a déjà changé les semences. Listen. Écoutez. It cannot be a good life if the seed is bad. On peut pas parler de bonne vie si la semence est mauvaise. The good seed will produce a good life. La bonne semence produira toujours la bonne vie. The good seed will always produce miracles. Ça produira toujours les miracles. The good seed will always produce testimony. Ça produira toujours les témoignages. Bad seed la mauvaise semence will produce limitations. Ça va produire les limitations. Who bring the bad seed? Qui a amené cela? Is not God. Ce n'est pas Dieu. Is the devil. C'est le diable. When the bad seed came, quand la mauvaise semence est venue, destiny changed. La destinée a changé. When the bad seed came, quand la mauvaise semence est venue, destiny is no longer divine destiny. La destinée n'est plus divine comme auparavant. Are we together? Yes, Pastor. When the devil changes somebody's seed, quand le diable change la semence de quelqu'un, that seed is no longer, that destiny is no longer God's destiny. Cette destinée n'est plus de Dieu. I'll tell you something. Je vais vous dire quelque chose. Every seed, chaque semence, carry life, porte la vie. Every seed, chaque semence, carry spirit, porte l'esprit. Whether good or bad. Que ça soit mauvais ou bien. Now here. Ici. 28. Verset and say unto them. Il est raté. An enemy has done this. C'est l'ennemi qui l'a fait. Enemy. Ennemi. Whilst people are sleeping. Quand les gens, pendant que les gens dormaient. Maybe in your family. Peut-être dans votre famille. When things are coming in dissensions. Quand la dissension est venue, the enemy entered, changed people's destiny. L'ennemi avait été entré, il a changé les destinées des gens. You are not what you supposed to be. Tu n'es pas ce que tu devrais devenir être. If you find out, si tu regardes bien, in your life, dans ta vie, the seed that you are producing is not from God. La semence que tu es en train de produire, c'est I'm telling produire. You, in this month of May, we shall bring a good seed in your life. Je te dis, au mois de mai, nous allons apporter la bonne semence. It shall be restoration. Il y aura la that seed the devil changed la semence que le diable avait changé by the power of the Holy par Ghost. La puissance du
puissant we shall bring that seed from God back in your life. Nous allons te redonner encore dans ta vie au nom de Jésus. Every seed shall produce after its kind. Ça va produire après leur espèce. If that seed is a seed of limitations, si c'était de la limitation, you shall produce limitations. Vous allez produire aussi les limitations. If that seed is a seed of sickness, si c'était la semence de la maladie, you shall produce sickness in your life. Vous allez produire la maladie dans votre vie. If that seed si c'est cette semence is a seed of so that you cannot get married, pour que vous puissiez pas vous marier, you shall remain alone. Tu seras toujours célibataire. If that seed si cette semence is a seed of poverty, c'est la pauvreté, you shall produce poverty. Tu produiras toujours la pauvreté. If that seed si cette semence is a seed of money, c'est le semence, you shall produce money. C'est l'argent, vous allez produire l'argent. Every seed shall produce after its kind. Chaque semence, ça va produire par rapport à. In the name of Jesus, au nom de Jésus, you shall produce seed of miracle. Vous allez produire les semences. You shall produce seed of greatness. La semence de la grandeur. Seed of favor. La semence seed de la of grace. De la grâce. Receive it in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Praise God. Alléluia. The Bible says, finish for me, verse 28. Verse 28. Yes. An enemy did this. An enemy. The servant asked him, "Do you want us to go and pull them up?" Verse 29. No, he answered, "Because while you are pulling the weeds, you may uproot the weeds with them." 30. Verse 30. Let both go. Let both go together. Robo shata la mandele boskadi. Let both go ensemble. Oh, masukra bi karuskadi. Let both grow together. Laissez-les croître ensemble. Let me tell you something here. Je vais vous dire quelque chose ici. God sent Moses in Egypt. L'Éternel a envoyé Moïse en Égypte. When Moses released the people of God, quand il a libéré les enfants d'Israël, Pharaoh followed them again. Pharaoh l'avait suivi encore. This is the verse. Ça, c'est le verset. Let them grow together. Laissez-les croître ensemble. Let them follow them. Laissez-les suivre. There is a red sea. Il y aura la mer. Where God will swallow your enemies. Là où l'Éternel va engloutir tes ennemis. There is a red sea. Il y a la mer. Let them follow you now. Laisse que ces gens-là puissent te suivre. Let them be behind you. Laissez-les être derrière toi. Let them looking for you to finish. Laissez-les te souhaiter. But I'm telling you. Mais je te dis. Hour has come. L'heure est venue. They shall be swallowed. Ils seront engloutis. In the Red Sea. Dans la mer rouge. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Verse 30. Verse 30. Let both grow together until the harvest. At the time I will tell the harvesters. First collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the weeds and bring them into my barn. This is the final. Ça c'est la finale. French. Verset 30. Matthieu chapitre 13, verset 30, j'ai la parole. Amen. Laissez croître ensemble l'un à l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson. Je dirai au moissonnaire, arrachez d'abord l'ivraie et liez et là et. Sorry, et. J'aimerais pour les brûler. Do you hear that? Mais amasser les bleus dans mon grenier. It shall be the hour has come for difference. L'heure est déjà venue. Listen, the biggest mistake Pharaoh did. L'erreur que Pharaon avait commis. I said the biggest mistake Pharaoh did. Les grandes erreurs que Pharaon avait commis. Imagine follow them again in the way of Red Sea. Il ne pouvait pas leur suivre encore. Pendant qu'ils étaient partis, I know there is some spirits. Je sais qu'il y a d'autres esprits. Who always behind you? Qui est derrière toujours ta vie? They was there with you in 2017. Ils étaient là en 2017. God delivered you among their hands. L'Éternel t'a délivré dans leurs mains. They said, "Let us follow him again in 2020." Ils se sont dit, nous allons le suivre encore même à 2020. This is the greater mistake they made. Ça c'est grande erreur qu'ils ont commis. To follow you in 2020. De te suivre à 2020. This is the final year. Ça c'est le. For every spirit, l'année finale pour every demon. Who are following you in 2020, they shall be swallowed. It shall be different.
they shall be burned. Ils seront détruits. In the name of Jesus Christ. Ils seront consumés au nom de Jésus. Put your hands together for the Lord. Many destinies have been changed by the devil. Beaucoup de destinées sont changées par rapport à diable. Sleeping. Dormir. Sometimes when you don't care about your life. Peut-être si vous ne faites pas attention à votre vie. When you don't pray. Si vous ne priez pas. When you are distraught. Si vous êtes distrait. It can be spirit of sleeping. Ça peut être l'esprit de sommeil. Are we together? Yes. That seed of crying. Cette semence. Of crying. De pleurer. Is not your seed. Ce n'est pas ta semence. That seed says seeds. Cette semence of limitations is not your seed. Ça t'appartient pas. Follow me carefully. Suivez-moi bien. What we need to know before we break limitations. Qu'est-ce que nous pouvons connaître avant de briser les limitations? What we need to know before we can break limitations. Qu'est-ce que nous voulons connaître avant de briser les limitations? Number one. Point numéro un. Our enemy is the devil. Notre ennemi, c'est le diable. We are in the month of violence, prayer and dominion. Nous sommes au mois de violence, la prière, violence et domination. Our enemy is the devil. Notre ennemi, c'est le diable. John 10, verse 10. Jean chapitre 10, verset 10. John 10, verse 10. Jean 10, 10. John 10, 10. The thief cometh. John chapter 10, verse 10, I read. Amen. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Mm. I have come that they may have eternal life and have it to the full. This is the three ministries of the devil. French. C'est les trois ministères du diable. French. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer, détruire. Mm. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles aient en abondance. Our enemy is the devil. Notre ennemi, c'est le diable. Follow me carefully. Suivez-moi bien. Thank you, Holy Spirit. Satan cannot accomplish his will without a physical body. Ne peut jamais accomplir sa mission sans le corps physique. He always will lack a physical body to possess to fulfill his destiny. Il voudra toujours avoir un corps physique pour accomplir sa mission. That's why you can see. Voilà pourquoi vous allez remarquer. A human spirit can be the devil incarnation. L'homme intérieur de quelqu'un peut être a human being can be a devil incarnation. L'homme peut être l'incarnation du diable. Are we together? Yes. It can be sometimes your friend. Il peut être ton ami. But is now the devil is not incarnate in his life. Mais maintenant le diable s'est incarné dans sa vie. It can be your colleague. Il peut être ton collègue. It can be also a member of your life. Il peut être le membre de ta famille. The devil is using now his body. Le diable l'utilise maintenant, utilise son corps. To destroy many people's lives. De détruire beaucoup de vies de gens. The devil le diable is coming to destroy. Il vient pour détruire. To steal. De voler. And kill. Et détruire. He cannot operate if he could not find a physical body. Il ne peut pas opérer s'il n'y a pas un corps physique. Are we together? Yes, Pastor. Our enemy, notre ennemi, is not the one who possesses that evil spirit. Ce n'est pas celui qui est possédé par cet esprit. Our enemy is the devil. Notre ennemi, c'est le diable. Are we together? Yes, Pastor. The person who carry evil spirits. La personne qui porte en lui l'esprit mauvais. You can kill him physically. Tu peux le tuer physiquement. But you didn't kill that spirit. Mais tu n'as pas tué cet esprit-là. The one is carry the spirit of witches and wizards. Celui qui porte l'esprit de sorcellerie, de l'envoûtement-là. You call him is a wizard. Tu peux l'appeler sorcier. Is a spirit inside that person. C'est l'esprit qui est incarné dans la vie de cette personne. You can kill that person physically. Tu peux tuer quelqu'un là physiquement. But you didn't kill that spirit. Mais tu n'as pas tué cet esprit-là. Let me tell you something in the Bible. Je vais vous dire quelque chose. Jezebel was looking to kill the prophet Elijah. Jezebel cherchait à tuer le prophète Élie.
Prophet Elijah ran away. Prophète Élie était parti, il est couru, il a. Jezabel says. Jezabel a dit. I need the head of Prophet Elijah. J'ai besoin de la tête de Élie. Prophet Elijah ran away. Le prophète Élie était vraiment fui. But in the spirit. Mais dans le monde spirituel. That's what remained there. Cette parole était déjà avait demeuré là-bas. Because Jezebel is a spirit. Pourquoi? Parce que Jezebel est un esprit. Now it comes somebody born John Baptiste. Quelqu'un qui était né Jean Baptiste. The Bible says. La Bible dit. John Baptiste came with the spirit of Elijah. Jean Baptiste était venu avec l'esprit d'Élie. What's matter? Ce qui compte, is not physical. Ce n'est pas physique. What's matter? Ce qui compte, is a spirit. C'est l'esprit. Now John the Baptist. Jean Baptiste. Though he was physically John, a son of Zachariah. Malgré qu'il physiquement il était Jean Baptiste, le fils de Zacharie. But in the spirit. Mais en esprit. He carried spirit of Elijah. Il portait l'esprit d'Élie en lui. The spirit that Jezebel was looking to destroy. L'esprit que Jezebel était en train de chercher comment le détruire. When the spirit of Jezebel saw again that spirit. Quand l'esprit de Jezebel a vu encore cet esprit là. John the Baptist died. Jean Baptiste était mort. When the head was gone. On l'a coupé la tête. They cut his head. On l'a coupé la tête. Why? Pourquoi? Jezebel was there. Jezebel était là. The greater Jezebel died. La grand Jezebel qui était déjà décédée. She died in the Old Testament. Elle était décédée dans l'Ancien Testament. But the spirit Jezebel didn't die yet. L'esprit de Jezebel n'était pas encore mort. He possessed another woman, another lady, girl. Ça possédait une autre femme. Just to kill. Juste pour tuer. Another prophet of God. Pour tuer ce prophète de Dieu qui était Jean. You do you hear that? Yes. Our enemy is not in the physique. Notre ennemi n'est pas physique. The physique. Le physique. Is a manifestation of the demons. Ce sont les manifestations des démons. The physique. Le physique. Will demonstrate which kind of spirits behind the person. Ça nous montre quelque sorte de l'esprit qui est derrière la personne. The reality. La réalité. We are dealing. Nous ne sommes en train de. With the spirit behind the man. Avec les esprits qui est derrière cet homme là. Follow me carefully. Suivez-moi très bien. If you look to kill somebody physically, you waste your time. Si tu cherches à tuer quelqu'un physiquement, tu es en train de perdre ton temps. We need to destroy the spirit behind the person. Nous devons détruire l'esprit qui est derrière cette personne-là. Behind limitations. Derrière la limitation. In John, 1 John chapter 3, verse 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. See what the Bible says. Voyons ce que la Bible dit. 1 John. 1 Jean. Chapter 3, verse 8. Chapitre 3, verset 8. 1 John chapter 3, verse 8, I read. The one who does what is sinful is the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Thank you. The Son of God was manifest. Oh my God. Robo Shataka Broskadi. Listen to me carefully. The Son of Man. Fils de Dieu. When we talk about the Son of Man, we talk about Jesus. Quand nous parlons du Fils de Dieu, nous parlons de Jésus. The Son of Man was manifested. Le Fils de Dieu. That he might destroy the work of the devil. Était à Paris afin de détruire les œuvres du diable. You shall destroy the work of the devil where you are living. Vous allez détruire les œuvres du diable là où vous vivez. Listen, when it comes in the time of destroying the work of the devil, don't play. Quand ça devient l'heure de prier, de détruire les choses, des œuvres du diable. This is one of the reasons Jesus was manifested. Ça, c'est l'une des raisons que Jésus était manifesté. You also manifest. Toi aussi, tu vas manifester. To destroy the works of the devil. Ça a été manifesté pour détruire. In your family. Les œuvres du diable. Where you are living. Là où vous vivez. In this generation. Dans cette génération. You are not in that family to destroy the work of the devil. Vous êtes là dans cette famille pour détruire les œuvres du diable. You are not in this generation. Nous sommes dans une nouvelle génération. In this generation. Dans cette génération. To destroy the work of the devil. Nous allons détruire les œuvres du diable. Don't even play. Ne jouez pas. I say like this. If you could not overcome the devil. Si vous n'êtes pas mesure de vaincre le diable. The devil will overcome you. Le diable va vous vaincre maintenant.
If you cannot paralyze the devil, si vous ne pouvez pas le paralyser, the devil will paralyze you. C'est le diable qui va vous paralyser. In the name of Jesus, you shall overcome. You shall destroy the works of the devil in your family, in your business, in your job, in your school, in your area, in this generation. In the name of Jesus Christ. Jesus came to fulfill what it was written about him to die in the cross. Jésus était venu pour accomplir ce qui était il a été écrit. Look how much the devil has always been Jesus. Voyez comment est-ce que le diable le cherchait. He wanted to destroy the master before time. Il voulait même détruire avant son âge. Avant the Bible says one day he slept in the boat. La Bible dit un jour il s'endormait dans le bateau. He sent the wind against him. Il a envoyé le vent contre lui. To destroy him before the time. De le détruire avant le temps. You see how the devil works. Voyez comment est-ce que le diable travaille. Look what's happening today in the world. Voyez ce qui se passe partout dans le monde. The devil is looking to put limitation in the body of Christ. Le diable est en train de chercher comment mettre la limitation dans le corps du Christ. Look what's happening in the world. Voyez ce qui se passe actuellement dans le monde. Sickness wants to put limitation on people's life. La maladie veut contrôler la vie de gens. Look what's happening in the world. Voyez ce qui se passe. Poverty. La pauvreté. Want to put limitation in people's lives. Ça veut mettre la limitation dans la vie de gens. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I break it in your life. Je vais le briser dans votre vie. I break it in this campus, in this country. Dans ces pays. In the name of Jesus Christ. There shall not be limitation in your life. Il n'y aura pas de limitation dans votre vie. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. He was appeared to destroy the work of the devil. Il s'est apparu pour détruire les œuvres du diable. Are we together? Yes, Pastor. What we need to know. Ce que nous voulons connaître. Number two. Point numéro deux. We are not fighting in the flesh. Nous ne combattons pas contre le sang. In the spirit. Mais en esprit. Not in the flesh. Non comme la chair. If we fight in the flesh. Si vous combattez selon la chair. It's not a good fight. Ça ce n'est pas un bon combat. If you fight in the flesh, si vous combattez selon la it chair, can't be a good fight. Ça, ce n'est pas un bon a combat. Good fight un bon combat is in the spirit. C'est en esprit. Because spirit is faith. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est la foi. And faith is where God resides. La foi, c'est là où Dieu reste. God dwells in faith. L'Éternel demeure dans la foi. I told you one day, je vous ai dit un jour, once eagle want to destroy snake, si l'aigle veut détruire le serpent, the eagle cannot destroy snake. In the area of snakes. Le diable ne peut pas l'aigle ne peut pas détruire les serpents au milieu des serpents. In the world of snakes. Dans le monde des serpents. But it will take him in the world of eagles. Mais il faut prendre le serpent là, il faut l'amener dans le monde des aigles. Why snake is weak. Là où le serpent sera maintenant en faiblesse. Here in earth. Ici sur la terre. The snake can run away. Le serpent peut courir. But the eagle will catch him. Mais l'aigle va le toucher maintenant. Will take him now in his world. Il va le prendre maintenant pour l'amener à l'extérieur. Where snake is weak. Là où le serpent sera vraiment weak. Where snake cannot defend. Là où il peut pas se défendre. Where he can paralyze a snake fastly. Là où il peut facilement paralyser le serpent. It's like us. C'est comme nous. We are not fighting the physique. Nous ne combattons pas physiquement. Once we want to fight. Si vous voulez combattre. We need to fight. Nous devons combattre. In the realm of the spirit. Dans le monde des esprits. Because in the realm of the spirit. Parce que dans le monde des esprits. It is our realm. C'est notre. When the devil is weak. C'est là où le diable. Where 2000 years ago. Là où 2000 ans. In that world. Dans ce monde. We paralyze him. On l'avait déjà paralysé. We paralyze the devil in the physique. In the physique, dans le physique, he crucified the master. Il avait crucifié le but maître. When we take him in the spirit, we destroy him. On l'a détruit. When we destroy him, it was the resurrection. When it comes resurrection, après la résurrection, it comes to life. C'était la vraie vie.
Praise the Lord. Alleluia. This is our life. Ça, c'est notre vie. In this month of May, parce que moi, demain, I always pray that you that you are watching me, toi qui me regardes, that you that you are hearing toi me, qui me suis, to overcome your enemy, de vaincre tes ennemis, to overcome your enemy, de vaincre tes ennemis, to overcome that situation, de vaincre ces situations, to paralyze that situation. De paralyser ces situations. You shall testify in the name of Jesus Christ. Yes. Our enemy is not in the flesh. Our fight is not in the flesh. Notre ennemi n'est pas physique et notre combat n'est pas dans la chair. But in the spirit. Mais en esprit. 2 Corinthians 10 verse 3. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3. Yes. Chapter 10, verse 3. Chapitre 10, verset 3. 2 Corinthians chapter 10, verse 3, I read. Amen. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. You hear that? You hear that? Yes. For though we walk in the flesh, we don't war after the flesh. Mm. But for verse 4 now. Verse 4. Verse 4. The weapons we fight which are not... Follow this carefully. Follow this carefully. Start from verse 3 again to verse 4. Verse 3 to verse 4 I read. Amen. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Thank you. Verse 4. Verse 4. Mm. The weapons we fight with are not the weapons of the world. And listen, the weapon that we are fighting are not carnal, in other words. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Okay, on. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Thank you. Though, verse 3, though we walk in the flesh, but we do not walk after the flesh. Si nous marchons dans la chair, notre marche... Listen. When we say we are son of God, si vous dites que je suis un enfant de Dieu, before this that can be physical, we are first in the spirit. Avant que nous soyons physiques, nous étions spirituels. When we say we are winners, si nous disons que nous sommes vainqueurs, before we can win in the physical, we win first in the spirit. Avant de vaincre physiquement, c'était déjà en esprit. Are we together? Yes. Now, what we need to know number three. Ce que nous voulons connaître numéro 3. Be aware of that limitation. Soyez vraiment conscient de cette limitation. Be aware of that limitation. Soyez conscient de cette limitation. Be conscious of that limitation. Soyez conscient de cette limitation. You need first to know where is my limitation. Premièrement, vous devez connaître où se trouve ma limitation. You must know first in which area the devil putting limitation in your life. Quel niveau de ma vie, de la vie, que le diable a mis la limitation. In your health, in your marriage, dans le mariage, in your job, dans ton travail, in your study, dans tes études, where the devil put limitations. Où est-ce qu'il a placé la limitation? You must be aware. Tu dois être vraiment prudent. Now, if you see in the book of Matthew chapter 12 verse 29, si vous voyez dans le livre de Matthieu chapitre 12, when I'm talking about to be aware, you see here, book of Matthew chapter 12 verse 29. Matthieu chapitre 12, verse 29. Verset 29. Matthew chapter 12 verse 29 I read. Amen. Or again, how can anyone enter a man's strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man? Yes. Then he can plunder his house. Thank you. 29 French. Matthieu 12 29 j'ai mis la parole. Amen. Ou comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Yes. We must first know our enemies, our limitations. Nous devons premièrement connaître notre ennemi ou limitation. Or else, ou comment? How can one enter some man's house? Comment est-ce que quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort? And spoil his goods. Bien. Except he is fed by the strong man.
To be aware of my of your limitations. Votre limitation. Where is your limitations? Où se trouve votre limitation? In your destiny. Dans votre destinée. Maybe everything is going fast, it's going good. Peut-être les choses marchent bien. Where is your limitation somewhere? Mais où sont les limitations? Be aware of your limitation. Soyez vraiment éveillé de connaître ça. What does you know number four? Quatrième point. Identify it clear. Vous devez identifier clairement how that limitation works. Comment est-ce que cette limitation là est en train d'opérer? In your life. Dans votre vie. When? Comment? They. When? Quand? They. Which time? Les jours. Which moment? Le temps. Quel moment? I repeat it again. Je répète. What we should know before we can break limitation number four. Ce que nous voulons connaître, nous devons connaître premièrement. You need to identify. Nous devons l'identifier. Clair. Clairement. How that limitation works in your life. Comment est-ce que ça se fait dans ma vie? When? Quand? Which day? Quel jour? Which time? Quel temps? In which moment? Quel moment? One day, I was praying for somebody. Un jour, je priais pour quelqu'un. He was having a problem of to conceive was a problem to her. Il avait problème de concevoir. To conceive was a very problem. It was a limitation in her life or womb. Elle était limitée dans son ventre de ne pas concevoir. Remember, if somebody is looking something in his life, once she could not see it, it became a limitation. Si quelqu'un cherche quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé, ça devient limitation dans sa vie. She told me that. Elle m'a dit. I conceived three times. J'ai déjà conçu trois fois. But every 4 to 5 months, the things are going out. Mais 3 ou 4 mois, je fais toujours des fausses couches. Even the doctor warned me that I cannot conceive again for the fourth time. Mais les docteurs m'ont conseillé que je ne peux pas encore recevoir ou concevoir encore pour la If I try for the fourth time, I should die. Si j'essaie cette fois-ci, je vais mourir. Now, the Holy Ghost telling me to ask her a question. Le Saint-Esprit m'a dit de lui poser la question. This number 4 now. Ça, c'est numéro 4. I said to her, identify clear how this works in life. Commence à identifier comment est-ce que ça se fait. When? Quand? Which day? Quel jour? Which time? Quel temps? And which moment? Quel moment? She told me. Elle m'a dit. Every time once I dream. Elle m'a dit chaque fois que je dors quand je. Fighting in my dream with a woman. Je vais dans les songes, j'entrais de se bagarrer avec une femme. Early in the morning. Très tôt matin. Once I wake up. Quand je vais me lever. I saw bleeding. I begin to build. Je vois l'écoulement du sang. The first one when it goes out. La première grossesse quand c'était. I dream the same woman fighting against me. J'avais vu cette femme là qui me combattait pendant que je dormais. The second when I lose the second pregnancy. Deuxième fois c'était la même chose. I saw again the same woman fight against me. J'ai vu cette maman en train de me combattre dans la nuit. For the third pregnant again. Troisième fois. I fight again with that woman in the morning. I lose my pregnancy. Nous sommes combattus avec cette maman là pendant la nuit et le matin. You see how to identify clear the work of enemies. Tu as vu comment est-ce que tu peux identifier les œuvres de l'ennemi? I say now it's fine now. Maintenant. Because we know how it's working in your life. Je l'ai dit, c'est bien. On a connu comment est-ce que l'ennemi travaille. It's time now of violence prayer. Nous sommes maintenant au temps de la prière de violence. You shall conceive. Tu vas concevoir. And any time once you see that movement. Et chaque fois que vous allez remarquer ce mouvement là. Don't sleep again. Ne dors pas. We pray until you are going to conceive. Nous allons prier jusqu'à ce que tu vas concevoir. The fourth pregnancy. Quatrième grossesse. It was a testimony. C'était le témoignage. The lady could testify the power of God. Elle pouvait maintenant témoigner la grandeur, la puissance de Dieu. Why? Pourquoi? She knew
And she identified how the enemy was worked in her, in his life, in her life. Elle connaissait comment identifier comment est-ce que l'ennemi travaille dans sa vie. Once you don't know, si tu ne connais pas, the devil will surprise you every day. Le diable va toujours te surprendre. With evil. Avec les œuvres du diable. But once you know you identify his works, mais si vous connaissez et vous identifiez, you stand in prayer. Vous allez vous mettre dans la prière. And you shall overcome him. Vous allez le vaincre. And you shall testify. Vous allez aussi témoigner. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I say you shall testify. Tu vas témoigner. I say you shall testify. Tu vas témoigner. In the name of au Jesus nom Christ. De Jésus Christ. Number five. Point numéro 5. What we need to know before we can break limitation number 5. Ce que nous pouvons connaître avant de briser les limitations. Expose your limitation. Expose votre limitation. Expose what's fighting you. Expose ce qui vous combat. Expose your problem. Expose vos problèmes. Don't hide your limitations. Ne cachez pas votre limitation. Sometimes I see people say, très souvent je vois les gens, high blood pressure is my disease, my sickness. J'ai la tension, c'est ma maladie. If my sickness starts, si ma maladie starts, sometimes I want to, I look like I'm, I will die tomorrow. Tu me vois, c'est comme si quelqu'un qui va mourir. Expose that sickness today to God. Expose cette maladie devant l'Éternel. Sickness is your, is limitation. La maladie, c'est les limitations. Limitation is coming to destroy you. La limitation vient te détruire. Expose it to before God. Commence à l'exposer devant Dieu. Say your limitation of sickness. Dis seulement toi limitation de la maladie. Say you limitation of poverty. Toi limitation de pauvreté. I expose you. Je t'expose. Not in my life. Pas dans ma vie. You idol of family. Non dans ma famille. You ancestral spirits. Toi les esprits des ancêtres. Always fighting me. Tu me combats chaque fois. Listen me carefully. Listen, there are many things happening now in your dreams. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos rêves. Which always become real. Qui vient souvent, qui devient souvent très réel. I told you. You need deliverance. Comment est-ce que vous pouvez connaître que vous avez besoin de la délivrance? I teach you. Je vous ai enseigné. The sign to know that the devil is behind you. Le signe pour connaître le diable est derrière vous. Sometimes God can show you in a dream. L'Éternel peut vous montrer dans une stand up now in your dream. Tenez-vous debout maintenant. The kingdom of God suffered violence. Le royaume des cieux a perdu violence. Begin now to become violent. Commence à devenir maintenant violent. Begin now to take everything belong to you. Commence à prendre tout ce qui vous appartient. Tell God this is a time of difference. Dis à Dieu ça c'est le temps de la différence. The Bible says. La Bible dit. Those who are obedient. Ceux qui sont obéissants. Obedience in who? In what? In the words. Obéissance à la parole. They shall eat the fruit of the land. Ils mangeront les once you have obedience in my voice, in my teaching, in my principle I give to you, you shall eat the fruit of the land. You need to stand up and change that situation. Bring victory. Break the limitations. Take away failure. Take away that marine spirit. You shall overcome it. Vous allez le vaincre au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. I say you shall overcome it. Oh yes. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Follow me carefully. Suivez-moi bien. How do you break that limitation? Comment est-ce que vous pouvez briser ces limitations? How do you break that limitation? Comment? How do you break that limitation? Comment est-ce que vous pouvez briser cette limitation? How do you break that limitation? Comment est-ce que vous pouvez briser cette limitation? What time now? 12. How many minutes are you? 1 hour. 1 hour. Okay. Few minutes again, I'll finish. How do you break that limitation? Comment est-ce que vous pouvez briser cela? Number one. Point numéro 1. Through violent faith. Au travers la foi violente. This is number one. Ça c'est un. You need to have a violent faith. Vous devez avoir la foi violente. Before your limitations. Devant votre limitation. When I'm talking about violence faith, quand je parle de la foi violente, which means, qui veut dire, don't accept that limitation. N'accepte pas cette limitation. Don't accept that limitation. N'accepte pas cette limitation. It's there before you. Ça se trouve devant vous. Listen.
There is something limitation to be before you. Il y a quelque chose qui est limitation devant toi. There is something limitation can be before you. Il y a quelque chose qui peut être là comme une limitation. Mais that limitation, cette limitation cannot remain there forever. Ça peut pas demeurer pour du bon. Don't let that limitation remain there forever in your life. Ne laisse pas que les limitations soient là pour du bon. For this people, the Son of Man was manifested to destroy the works of the devil. C'était pour la raison pour laquelle le Fils de l'homme était apparu pour détruire les œuvres du diable. The world are watching with earnest expectation the manifestation of the Son of God. Le monde attend de nous la manifestation du Fils de Dieu. Romans chapter 8 verse 19. Romains 8 chapitre 19. The world are waiting the your manifestation. Le monde attend de nous la manifestation des fils de Dieu. How to break limitations? Comment violent faith. Au travers la foi violente. The force of faith break limitation of life. La force de la foi brise les limitations de la vie. Are we together? Yes, Pastor. The force of faith break limitation of life. La force de la foi brise les limitations de la vie. I'm going to go with you some verses here. Je vais vous donner quelques versets ici. So that by the grace of God we continue next time. Prochainement, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Hébreux 11, 33. Hébreux chapitre 11, verset 33. Hébreux 11, 33. Hébreux chapitre 11, verset 33. Hébreux chapitre 11, verset 33, I read. Amen. Amen. Who through faith conquered kingdoms? Who through faith conquered kingdoms? Kingdoms, which means not kingdom as single, in plural. Oh my God. Not kingdom is single, but in plural. French. Hébreux chapitre 11, verset 33, je lis la parole. Qui par la foi vainqueur du royaume, des royaumes, exerce la justice, obtient les promesses, formait la querelle et les lions. Si ça finit vite. Verse 33. Who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gave that was promised? Who shut the mouths of the lions? Listen. The Bible says here, if you have your own Bible, si vous avez la Bible à vous, I like you to underline for me kingdoms. J'aimerais que vous puissiez souligner pour moi les mots royaume. Kingdoms. Les royaumes. Now, when the Bible says kingdoms here, quand la Bible parle du royaume ici, it's not talking about the kingdom of God. Il parle pas du royaume de Dieu. I'll give you example. Je vais vous donner l'exemple. Egypt was kingdom. L'Égypte aussi était aussi royaume. To faith, they subdued kingdom. Au travers la foi, they destroyed kingdoms. Ils ont détruit les royaumes. Babylon was a kingdom. Était aussi. But to faith, au travers la foi, they destroyed Babylon. Ils ont détruit Babylon. King of Perse. Perse. Persia was also a kingdom. Perse était aussi les royaumes. But to faith, au travers they destroyed Persia. Ils ont détruit les royaumes de Perse. Those kingdoms here, les royaumes là, it was demon rulership. It was where demon was ruling. Ce sont les démons qui est en train de les diriger. It was where the devil was reigning. C'est là où le diable régnait. It was where the system of this world was reigning. C'est là où le système de ce monde roulait. But the Bible says, through faith, au travers la foi, through faith, au travers la they foi, destroy, ils ont they subdue kingdom, ils ont vaincu, they break limitations. Ils ont brisé les limitations. Are we together? Yes, sir. Two kingdoms, they break limitations. Ils ont brisé les limitations. Read for me again in English. Hebrews chapter 11, verse 33, I read. Amen. Who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised. And they gained what was promised. So, Brakaba Shandara Bahaya. Oh, glory to God. Oh, glory to God. French. Hébreux chapitre 11, verset 33.
Je lis la parole. Mm. Qui par la foi vainqueur des royaumes, exercer la justice, obtient des promesses, fermer la gueule des lions. They stop even the mouth of lions. Ils ont même stoppé la gueule des lions. Through faith, au travers de la foi, they subdue kingdoms. Ils ont détruit. Wrought righteousness, obtain promise. Mm. Stop the mouth of lion. Oh my ils God. Ils ont stoppé les gueules de l'agneau. You cannot listen, listen. You cannot break limitation if you don't have violent faith. Tu ne peux pas briser les limitations si tu n'es pas la foi violente. Every demon that's fighting you is coming from another kingdom. Tous les démons qui te combattent, ça vient de d'autres royaumes. We have a marine kingdom. Nous avons le kingdom des marins. We have also demonic kingdom of our families. Les démons, les royaumes de every spirit that's fighting you is coming from another kingdom. Every limitation of your life is coming from another kingdom. Now you can subdue that kingdom. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you. Listen. You cannot break the limitation of your life if you didn't break His kingdom. Si tu n'as pas encore détruit les royaumes. His kingdom. Because that limitation coming from another kingdom. Les limitations là viennent de notre royaume. For you to break that limitation. Pour que tu puisses les briser. You need to break that kingdom. Tu dois d'abord briser cette royaume. Where that limitation is coming from. Là où ça vient cette limitation. For you to obtain the promise of God. Pour obtenir les promesses de Dieu. For you to rejoice. Pour réjouir. Now, number 2, Hebrews 11, verse 11. Hebrews chapter 11, verse 11. Hebrews chapter 11, verse 11, I read. Amen. Mm. And by faith, even Sarah who was... And by faith. And by faith. Get on. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful. Who had made the promise? Thank you. Hébreux 11:11, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed. Which seed? A good seed. Quelle était la semence? The seed barrenness was a seed from the devil. La stérilité était la semence venant du diable. The seed. La semence. That was before. It was the seed of devil, which called barrenness in Sarah's womb. Ce qui se trouvait dans sa vie auparavant, c'était la semence du diable que nous appelons la stérilité. But. Mais. For Sarah to conceive the seed from above. Pour que Sarah puisse concevoir la semence de Dieu. And break the limitations. Et briser les limitations. It needs faith. Il avait besoin de la foi. Now, write that in a book. Mettez ça dans vos. What is faith? Qu'est-ce que la foi? Faith. La foi. Is power. C'est la puissance. Faith. La foi. Is ability. C'est l'habilité. That bring qui amène the seed from above la semence là-haut and breaks limitations. Qui brise aussi les limitations. Faith is power, ability. La foi c'est la puissance, l'habilité. That brings seed from above qui amène la semence breaks limitations. Qui brise les limitations. When Sarah was there in his womb, quand Sarah était là avec son, she was not conceiving. Elle ne concevait pas. It was limitations. C'était la limitation. Why? Pourquoi? God told them. Le Seigneur lui a dit. You Abraham. Toi Abraham. Your name is Abraham.
Ton nom est Abraham. Is not Abraham. Tu seras maintenant Abraham. You Sarai. Pas Sarai. Your name is not Sarah. Ton nom devient maintenant Sarah. You shall be a mother of nations. Tu seras la mère de nations. Abraham, you shall be a father of nations. Abraham, toi, tu seras le père de la nation. God spoke. L'Éternel a parlé. When God spoke, quand l'Éternel a parlé, limitations, it was already in Sarah's womb. La limitation était déjà dans le ventre de Sarah. Barrenness was limitations. La stérilité était la limitation. Sarah could walk. Sarah pouvait marcher. Sarah could say God called me already the mother of nations. Elle pouvait dire que l'Éternel m'a déjà appelé la mère des nations. As long barrenness was there, malgré que la stérilité était là, it was limitations. Il y avait la limitation dans ça. You have many promises of God. Il y a beaucoup de promesses de Dieu dans ta vie. But somewhere, somehow, there's a limitation. Mais quelque part, il y a une limitation. You have a great destiny. Vous avez la destinée qui est grande. If you check yourself, si tu te regardes, you find somewhere there's a limitation. Vous allez trouver que quelque part, il y a des limitations. But the Bible says, la Bible dit, through faith, au travers la foi, Sarah breaks his limitations. Sarah avait brisé ses limitations. Through faith, au travers la foi, Sarah breaks that barrenness limitation. Sarah avait brisé cette stérilité. And the promise of God, la promesse de Dieu, become not real. Était devenue maintenant réelle. Faith, la foi, breaks limitation. And make the promise of God become real. Fait que les promesses de Dieu soient réelles. Are we together? Yes, Pastor. In the name of Jesus, au nom de every Jesus, limitation standing before you, toute limitation qui se tient devant vous, through faith, au travers la foi, I break it. Je les brise. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I break it. Je les brise. In the name of au Jesus nom Christ, de Jésus, you shall overcome that situation. Vous allez vaincre ces situations-là. Listen, I say you are not a victim. J'ai dit que tu n'es pas victime. Amen. No matter what's happening, quel que soit ce qui se passe, lockdown cannot be our limitation. Confinement ne peut pas être notre limitation. Lockdown cannot be your limitation. Ce confinement ne peut pas être. The Lord told me like this. L'Éternel m'a dit comme ça. Everyone that belongs to me, tout celui qui m'appartient, through lockdown, au travers confinement, they shall testify. Ils vont témoigner. They shall celebrate. Ils vont célébrer. Lockdown. Confinement, we're not going to touch those who belong to me. Ça ne peut pas toucher ce qui m'appartient. Are we together? Yes, Pastor. The Bible says through faith. La Bible dit au travers la foi. When we talk about faith, it's violent faith. Quand nous parlons de la foi, c'est la foi violente. Sarah cannot conceive. Sarah pouvait maintenant concevoir. In her womb. Dans son ventre. And break limitation. Et briser les limitations. Follow me carefully. Suivez-moi. I won't stop here. Je vais stopper. There's a man in the Bible, the book of Mark chapter 10. Il y a un homme dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 10. Verse 46. À partir du verset 46. Mark chapter 10, verse 46. Marc chapitre 10, verset 46. Mark chapter 10, verse 36, I read. Amen. Then they came to Jericho, as Jesus and his disciples together, with a large crowd, were having the city, a blind man. Bartimaeus was sitting by the roadside begging. No. Book of Mark chapter 10 from verse 46 to 53. Mark chapter 10 verse 46 to 52 I read. Amen. Then they came to Jericho, as Jesus and his disciples together with a large crowd were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, was sitting by the roadside begging. Verse 47. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Mm. Verse 48. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, son of David, have mercy on me. Thank you. I know all of us, we know this issue about Bartimeo. Je sais que nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. The man was blind. Cet homme était aveugle. The man could not see. L'homme ne pouvait pas voir. Blindness here. L'aveuglement ici. And this man. Dans cet homme. Was limitation. Était limitation. You cannot see when you
you cannot enjoy life when you are blind. On ne peut pas te réjouir dans la vie si tu es aveugle. The man was blind, cannot see. L'homme ne pouvait pas voir, il était aveugle. But one day I identified that I'm a blind, I cannot see. Mais un jour il a identifié que je suis aveugle, je peux pas voir. The limitation of my life is my blindness. La limitation de ma vie c'est mon aveuglement. What can I do for me to see? Que ferais-je pour que je puisse voir? He heard one day that the master was passing thereby. Il a entendu parler que Jésus devrait passer par là. He began to cry. Il a commencé à crier. Now this man here. Cet homme ici. Cried about three times. Il a crié trois fois. And when he heard verse 47, 47. And when he heard that it was Jesus of Nazareth. Et quand il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. He began to cry out. Il s'est mis à crier. His prayer. Ça c'est la prière. If this he can meet physical Jesus. Si celui-ci pouvait raconter Jésus. Today we don't have physical Jesus. Aujourd'hui on n'a plus Jésus physique. Is there where you are now? Il est là où vous êtes. Jesus is there where you are listening to me now. Jésus est là où vous me suivez maintenant. Jesus is not in exact place that you where you are now. Il est là exactement là où vous êtes maintenant. Be now Bartimeo now. Sois maintenant Bartimeo. For you to break that limitation. Pour que tu puisses briser cette limitation. The Bible says. La Bible dit. And when you heard that it was Jesus of Nazareth. Quand il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. He began to cry out. Il s'est mis à crier. And say. Il dit. Jesus. Fils de David. Thou son of David. Jésus. Have mercy on me. Ayez pitié de moi. Roba carus cadia sombra dica. This is prayer. Ça c'est la prière. Verse 48. Verset 48. And many plusieurs charged him that he should hold his peace. Il faisait des reproches pour les faire taire. These are demons of kingdom, another kingdom. Ce sont les démons de ce royaume. They would like you to shut your mouth. Ils ont besoin que tu puisses te taire. They will tell you are okay. Ils te diront que tu es bien. With what you have, you are okay. Avec ce que tu no, as, they are lying to you. Ils sont en train de mentir. You are a greater person. Tu es une grande personne. What you have, no, they are lying to you. Ils sont en train de te mentir. You, once you find that your limitation, people cannot stop you to be quiet. Si vous remarquez que vous êtes limité quelque part, personne ne peut vous dire que de se taire. Are we together? Yes, Pastor. In our kingdom, dans notre royaume, we are functioning the kingdom where there is limitless. Nous, our kingdom is limitless. Nous sommes en train de fonctionner dans le monde qui est illimité. Faith, la foi, is your limit. C'est notre limite. In our kingdom, la foi c'est notre limite dans le monde. Are we together? Don't any person to come know you. No. Once you find your limitation. Cry out to God. Si vous remarquez la limitation, pleure à Dieu et crie à l'Éternel. Cry out to God. Crie à l'Éternel. Why this in my life? Pourquoi est-ce que cela s'est fait dans ma vie? Have mercy on me. Oh, ayez pitié de moi. I need your power. J'ai besoin de ta puissance. I need your presence. J'ai besoin de ta présence. I don't want this limitation. Je ne veux pas cette limitation dans ma vie. The Bible says. La Bible dit. And many charged him that he should hold his peace. Et plusieurs lui faisaient des reproches pour qu'il se. Listen, what's come after? Mais. He cried the more and great deal. Il cria d'autant plus fort. The more they stop him. Plus on les stoppait. The more the men could cry out again. Plus l'homme pouvait crier encore d'autant plus. The more they are criticizing you. Plus on te critique. Bow your knee before God. Agenouille-toi devant l'Éternel. Talk before God. Parle devant Dieu. As long as that situation is coming worse. Tant que cette situation est devenue grave. Cry again before God. Crie à l'Éternel. Change the system. Change le système. And this man he did. Comme cet homme l'a fait. He cried more and great deal. Il a pleuré, il a crié plus the fort. The son of David. Jésus, fils de David. Have mercy on me. Ayez pitié de moi. Today you can fast and pray. You didn't sin us. Don't stop there. Je n'ai prié, tu n'as rien vu, ne stoppe pas, ne t'arrête pas. Maybe you give some offering for your seed, seed of your blessing. Peut-être que tu as donné les offrandes comme ta semence. Maybe you didn't see nothing. Peut-être que vous n'avez rien vu. I come to tell you. Je suis venu te dire. Your miracle is already there. Le miracle est. Cry before God.
crie devant l'Éternel. Your blessing is already there. Le miracle et la bénédiction sont déjà là. He called again. Il a crié encore. In verse 49. Verset 49. And Jesus stood. Jésus s'arrêta. After crying, après Jesus stood. Après avoir crié, Jésus s'arrêta. What made Jesus to stop here? Qu'est-ce qui a fait que Jésus the cry of the blind man. Le cri de cet homme qui était aveugle. The cry of the blind man. Le cri de cet homme qui était stop aveugle. Jesus. Ça a stoppé Jésus. Now, let us identify now here. Identifions maintenant ici. This was not a normal crying. Ça ce n'était pas le cri normal. If it was a normal crying. Si c'était le cri normal. Listen. A crying normal, normal could not stop a extraordinary person. Le cri normal ne pouvait pas stopper Jésus. A extraordinary person. L'homme extraordinaire can only stop with extraordinary crying. Il peut seulement stopper au cri qui est. In other words, physical cry cannot stop spiritual man. À d'autres termes, le cri physique ne peut pas stopper l'homme extraordinaire. Only spiritual crying. Seulement le cri qui est extraordinaire. Which is cry of faith. Qui est le cri de la foi. That can stop Jesus. Qui peut stopper Jésus. Who was spiritual man. Qui était l'homme spirituel. The Bible said. La Bible dit. And Jesus stood. Jésus s'arrêta. Still. And command him to be called. Sobra kaboshka di. Alleluia. And they called the blind man. Say unto him. Be of good comfort. Rise. And he called thee. Only those who can stop him. They say come he call you. Le gens qui l'ont stoppé, qui l'a dit le faire taire, qui était là pour lui dire que. Listen. Those who are stopping the man. Les gens qui stoppaient l'homme. They say be still. Ils se sont dit tais-toi. When the master called the man. Quand le maître appelait l'homme. Only the same person that was stopping the man, they take the man to Jesus. C'est la même personne qui ont apporté cet homme à Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Those who are fighting you. Ceux qui te combattent. Putting limitations in your life. Ils mettent les limitations dans ta vie. Criticizing you. Qui te critiquent. They are those who are going to celebrate you. Ce sont ceux qui vont te célébrer. They are those who are going to see your miracle. They are those who are going to see your miracle before Jesus. Sometimes when people are criticizing you, don't pay attention. Ne fais pas attention. They are taking you before the master. Ils sont en train de t'amener vers le maître. They are taking you before him to see a miracle. Ils t'amènent vers le maître pour faire le miracle. They are helping you now. Ils sont en train de t'aider. To go before the master. Pour aller devant le maître. To celebrate your miracle. De célébrer ton miracle. In this year 2020. Dans cette année 2020. Those who are fighting you. Ceux qui te combattent. They are pointing their finger before you. Ils pointent les doigts. They will take you before the master. And they shall see your miracle. If I'm talking to put your hands together for the Lord. The Bible says. La Bible dit. Be of good command. Rise and he call you. Verse 50. And he casting away his garment rose and come to Jesus. He stopped now when he was standing now. He threw away that demonic seed. Take away that seed of blindness. Il a levé cette maladie de because de he, he wants now to receive another seed now. Parce qu'il avait besoin de recevoir d'autres semences. Verse 51. And Jesus answered and said unto him. Jésus prit la parole et what lui. Would thou that I should do unto thee? Que veux-tu que je fasse? The blind man said unto Jesus. L'aveugle répondit, Lord, Rabouni, that I might receive my sight, que je recouvre la vie, identify j'ai identifié your problem, be aware identifie votre problème, of your problem, soyez prudent, the problem of this man, was blindness, son problème était l'aveuglement, when you are before the master, quand tu es devant, tell the master, this is my limitation. Ça, c'est ma limitation. This is my problem. Ça, c'est mon problème. This is my limitation. Ça, c'est ma limitation. Bartimeo did it. Bartimeo l'a fait. What do you want me to do for you? Qu'est-ce que tu
veux que je fasse pour my sight, I want to see je again. Que je recouvre la vie, je vais revivre encore. 52. And Jesus said unto him, Jésus lui dit, go, va, thy way, ta foi, thy faith hath made thee whole. Ta foi t'a sauvé. Not your knowledge. Pas ta connaissance. Your faith. Ta foi. This was a violent faith. Ça, c'était la foi violente. The man was crying before the mass of people. L'homme avait crié devant la masse des gens. Listen. Today people are crying before God. Aujourd'hui les gens crient devant l'Éternel. With the same situation you have. Même situation qu'ils avaient. There are also others that are taking testimony already. Il y en a d'autres qui ont témoigné. Just cry out. Ils ont crié. Just cry out. Be violent. Sois violent. Sois violent. Your answer is there. Votre réponse est that là. Limitation will break. Cette limitation sera brisée. In the name of Jesus Christ. And the Bible says, la Bible dit, and immediately he received his sight. Immédiatement, il immediately. Immédiatement, not more. Pas demain. Not more. Pas demain. Immediately. Immédiatement. He received his sight. Il recouvra sa vie. Mambrukali kaskanti. My father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Every limitation of my life. Of my life. Every limitation. Every limitation. In my life. In my life. In my business. In my business. Whatever that follow me now. Begin to break that limitation now. Begin to break those limitations. Begin to break that limitation. Break it now. Let me hear the voice that you are. Christmas of May. You shall come out with a testimony. It's another month. When God wants you to testify. Don't sleep. Ne dors pas. If you sleep, the enemy will enter. Si tu dors, l'ennemi va entrer. Raise up your voice. Élève ta voix. Begin now to break that limitation. In the name of Jesus, stand up and break it. Stand up and break it. You know your limitation. Mets-toi debout, name your limitation. Tu connais tes limitations. And break that limitation. Donne le nom de cette limitation. Listen, if it's in your body, si ton corps, si ton, if ton there corps, is limitation in your body, si la limitation dans ton corps, put your hands there where you see there's a limitation. Là, te mets là où il y a une limitation. If you see in your body, put your hands there. Si tu vois que ça se trouve dans ton begin corps, to cry out now. Commence mais là crier. If Bartimaeus can get results, si Bartimaeus avait reçu le you also. So today, aussi I didn't say tomorrow, mark my words, I said today here, it is your day of your testimony. Aujourd'hui, c'est ton jour de témoignage. Begin now to break the limitations. Pray in the name of Jesus. Pray. Robo Shandara Lahaya. Le Crosso Pradiga Dushate. Break that limitation. Break that limitation. Break that limitation. Break it. Break it in the name of Jesus. Break it in the name of Jesus. Break the limitation. In the name of Jesus Christ. Break it now. Break it. In the name of Jesus. Break that limitation. 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 Break it. Break it. Break it. Break the limitation. Destroy that limitation. Whatever I'm coming for, destroy that kingdom. Destroy that kingdom where that limitation is coming. There is the kingdom where that limitation is coming. Destroy that kingdom. To faith, the subdued kingdoms. This is your time. Ils ont détruit les royaumes. This is your time. Ça, c'est ton temps. Destroy that kingdom now. Détruis ces royaumes. Of the, where that limitation is coming. Là où vient les limitations. God told me many things about your life. Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. Break it now. Commence à les briser. Break it now. Commence à les briser. Break it now. 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 Break it now.
In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Say, my father. You spirit that tormenting my life. You spirit that tormenting my life. In my dream. I command you. Die. There's a spirit that tormenting your dreams every day. There's a spirit that tormenting your dream every day. Every time you receive that dream, your things become now in trouble. That limitation stand again against you. Begin now to destroy that spirit now. Break it in the name of Jesus Christ. Mando lo bosso taki blocadi. Le prechetto zuptani. Manta ki la cabru caruska di. Le prechetezi. Mantoli caruska du caruska di. Le prechetezi. Mantali caruska braki bonda. Le prechete. Le prechete. Le prechete. I caruska di. Mambro kodoska di. Le prechete kezi. Lando kozutaka. Le prechanduska di. La protondo zutta ki broskadi. Manta ki broskida. That limitation is coming to your dream. Destroy it now. Cut it off. In the name of Jesus Christ. Say, my father. Every spirit that's causing limitation in my life. That spirit causing limitation in my marriage, in my career, in my finance. I command you. Come out. Command that spirit to come out. Command that limitation to come out. In the name of Jesus Christ. Command that limitation to come out. In the name of Jesus. Command that limitation to come out. In the name of Jesus. Command that limitation to come out. In the name of Jesus. Command that limitation to come out. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus Christ. Listen. Say after me. Say after me. My father. Career failure. Limitation in my marriage. In my study. Limitation in my job. Limitation in my business. You spirit of setback.